The stranger died in that ambush trying to protect me. He came from the future to save my life, and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Core's true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. Et salut tout le monde, bienvenue Anyone pour receiving cette nouvelle vidéo. This is Sergeant Jacob Rivers, DN46890. Anyone out there? Quelque chose me dit qu'ils ont passé un sale moment. Skynet got to them. Donc, ouais. Pas trop confiance hein, en ce que je quoi je vais trouver hein, mais ça fait peur. Alors, attendez, je rectifie un truc parce que on est d'accord que voilà c'est de la grosse merde. J'aime les couteaux, ça sert à rien, mais j'aime les couteaux. Allez, go. If anyone's hearing this, please respond. Ouh. Oh, vous avez démoli un truc comme ça. Intéressant. Oh, il a pris cher. Vous êtes allé au nucléaire ou quoi? Is anyone else out there? Canon. God damn it. Après, c'est le risque à prendre sur le fait de... Tandis que Skynet a envoyé des infiltrateurs de, du futur dans le passé pour voir nous, et il a sans doute transmis quelques informations au Skynet du passé pour essayer de baiser la résistance, et visiblement ça a quand même bien marché. J'ai l'air con. Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. Comment ça se fait que Connor... Mais attendez. Mais attendez. Nous sommes dans un nouveau refuge de la résistance, et c'est reparti. Here we go again. Bonjour aux gens. He's the only survivor from Baron's division. Je veux dire, mais bon. Oh, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Même si ça doit servir à que dalle sur les T-800, je m'en fous. J'en veux. Oh, il est joli le canon de près. Ah, ça bave un peu par contre. Quoi? Mais putain, mais Connor, il parle de moi à tout le monde. Je vais rougir. Ah, au-dessus. Donc ça doit être le reste de la division 9, hein, si je ne m'abuse. Ah. Alors, putain, on peut rien fouiller. C'est ouf. Oh, j'ai dû louper plein de trucs à lien. Alors, Sergeant. Mon dieu, c'est lui. Commander. Sergeant Rivers. I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps' coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all.
Are we preparing to attack the core? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon, Skynet will realize that they're losing this war, so they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. It should give us the advantage against Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. Oui, j'ai beaucoup de questions, je vous avoue rien. How did you know that the central core wasn't at the observatory? Understanding the changing nature of time travel made me anticipate the most unexpected events. So when I learned from a mutual friend of ours that a Terminator was sent back to our time, I suspected the future I was told would change. What do you mean? When that infiltrator connected to Skynet, it warned them about the attack on the observatory. They had to move the central core, otherwise they would lose again. Unfortunately, the intel we received came at a cost. But if there was any other way, I would have taken it gladly. Who is the stranger? In one alternative future, we reached the time displacement equipment and sent our soldiers back in time. Like always, the mission was to assure the safety of the people Skynet marked for termination. One of whom was you. Knowing the importance of your mission, many volunteered to go back. So I took it upon myself to choose a protector from among them. And the one I chose was you. You are the one you call Stranger. Waouh, on s'y attendait pas du tout étant donné que l'étranger avait exactement la même voix que nous. Ah là là. Why am I targeted for termination? You're the one who discovered the true location of the central core. You're the messenger of the intel that could lead to Skynet's downfall. I'm sure you'll figure out the rest when the time comes. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier, we stop Skynet. C'est la fin. Allons botter le cul de Skynet une bonne fois pour toutes. Pourquoi ton nom est violet? Genre c'est la première fois que je vois le nom d'un violet. C'est mignon, c'est mignon. Take whatever you need, Sergeant. C'est de la merde ça, je prends ça. Attends, quasiment, de toute façon, j'ai Attendez, alors autant on va se faire un petit plaisir, hein. Oui, non, mais oui. Alors, ouais, ça, jette-moi ça. Ah, je ne pensais pas qu'on allait avoir un sniper. Un sniper comme ça. Moi j'apprécie. 800 de dégâts. 800 de dégâts. 800 de dégâts. Au secours. Alors, on va améliorer sa petite cadence de tir. Et on va mettre un... je sais pas. Oh, vous savez quoi? Moi, je pense qu'il faut mettre un peu plus de dégâts sur son dégât. De ça. 1024. Au secours. Au secours. Ce sniper n'a aucun sens. Ah, du coup, il y a aussi ce fusil là. Ah, ouais. Bah, c'est dommage parce qu'en fait, on vous donne le plasma. Bon, celui à lunettes. Mais après, pour avoir les versions améliorées, bon, sauf celle-là, on peut la drop. Mais faut attendre la dernière mission du jeu, les gars. Sérieusement. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je pense que les gens, ils sont pas contents. Et c'est tout ce que vous me donnez? C'est chaud, hein. Dis-moi tout. Sergeant Rivers, it's time. I want you to take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the TDE, but don't worry. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. Follow me. Oh, la référence. Commander. Commander.
La référence elle est là. Là le petit le... Oh, vous avez déjà refermé, hein, vous êtes rapide. Hein. La petite traversée de couleur comme ça, c'est le début de Terminator 2 là, dans le futur où on voit John en train de marcher dans le couloir. C'est tellement bien. Mais c'est vrai, ces petites références comme ça, c'est pas du fan service à outrance. Bon, attendez. Ah, j'ai loupé. Ah, c'est nul. Oui, ça fait le taf. Bon, ça se fait dessus. Ah, pardon. Ouais, j'ai pas 11 balles. Bon, on approuve le sniper. Bon, on va chercher munitions parce que je pense qu'on va avoir besoin du maximum de munitions pour réussir cette mission. Et je viens de recevoir un mail. C'est magnifique. Je ne pensais pas recevoir ce mail, un mail. Ça me fait penser que pourquoi j'ai reçu un mail. Pourquoi 300 munitions. Mais vous voulez vraiment que je vais dératiser le monde avec ça. Ouais. Oh pardon, tu me tires dessus? Attends, t'es un infiltré toi? Ah ouais. Je viens d'OS un infiltré, vous êtes... C'est sérieux... J'ai plus besoin de me mettre à couvert! Je suis le Terminator! Watch the place! Drones! There's more of them! Drone. Ouais, j'ai Commander, the first sector is secured. All right, Rivers, continue the offensive. We're preparing to send in the tank. Mais j'ai 2107 cartouches. J'ai même plus besoin de fouiller des cadavres. Je suis trop OP. Et il y a encore des munitions. Zero in on that T-47. Oh, mais même le T700 il prend tellement cher. Oui, vas-y, tire-moi dessus. Ah, lui, par contre, il me fait un peu de dégâts. C'est ici. J'aurais préféré avoir le loot lance-roquette, bon il ne revient pas. Si il revient. Allez reviens. Oh, tu veux pas revenir malgré Another sector cleared. That's good to hear. En fait, voilà, c'est littéralement on avance en tube. Ariel, down it! Perfect timing. Ça devait être le mien. Attendez, on peut le loot. Le loot de la victoire. Ah non, ah si. Voilà, le loot de la victoire. Ça ne mène plus rien. Ça ne sert plus à rien, mais c'est pas. T-47 ahead! Two of them! Sergeant, I got a visual on the defense grid turrets.
Non mais c'est un T-47 standard. Oh, on va passer loin. Voilà. Bon, on va aller détruire, on va détruire Skynet, nom de Dieu. Prends tes munitions. Compte là-dessus et bois de l'eau. Compte là-dessus et bois de l'eau. Commander, the defense grid is active. We can't go through. No way, no how. HK tank is on its way. Hold your position. Oui, mais il va arriver où? Il va arriver où le temps que c'était là? Sergeant, we need backup. Hang in there. Watch out for that defense grid. Pull back. Pull back. Comment ça retraite retraite? Oula oula oula, le framerate. C'est bon, do you have calmé? Ah. The defense grid is smashed. Rivers, status. We breached the defense grid, commander. Good. That HK will accompany bon, you. Proceed forward. Remember, this is not over yet. Ah oui, mais il est avec nous. Il est magnifique. La check musique. That tank is ours. Oula, attends, t'avances à quel point? Oula, mais t'avances trop en fait. Ah, le plasma de deuxième génération peut faire des dégâts à ces canards. Bon, toi t'avances pas trop, toi. Calme-toi, hein. Non mais regardez, ouais, ce truc, il est magnifique, hein. Je veux le même à la maison, pardon. Putain, encore. Bon bah, c'était... Push forward. Dans Skynet. Les munitions. Oh, c'est pas grave. Rivers, I just received intel from the 124th. They've located the central core. It was at the coordinates you gave. They'll strike soon. Continue with the offensive. Le jeu m'a pas fait chier depuis le début avec les chutes de framerate et il commence les dernières missions. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Attendez, mais c'est mon missile qui a complètement pété les plombs? J'ai mal aux yeux. Qui c'est ce délire? Ah! Oui, le jeu m'a puni parce que je n'ai pas récupéré ces munitions là. Voilà, c'est l'excuse. J'ai combien de kits de soie? J'en ai beaucoup trop. Rivers, I just received intel from the 124th. They've located the central core. It was at the coordinates you gave. They'll strike soon. Continue with the offensive. Oh, 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 les caméras. Sois pas bourré. Je vois pas l'ennemi. C'est cadeau. Les missions. Missions, où sont les missions? Missions. Missions, missions. J'ai pas le droit de vous les missions, chef. Alors. Ah, tu. Non, je suis bloqué. Ah, merci. J'ai eu peur. Ah,
Ah, pardon. Rivers, we've just got a reading that Skynet's trying to activate the time displacement equipment. They know they're going to lose this war. You need to hurry. Everyone, on me! Oh, viens ici, petit VTR. This is it! That's the lab they keep the time displacement. Oh là là, tant que c'était. Spread out! Au pied, Médor. What? Je croyais que j'avais one shot. Non. C'est bon. TDE just went online. I repeat, TDE just went online. Rivers, there's no stopping now. Non, ils ont activé le DT. Recharge-moi ça, mon dieu. J'ai rien compris. Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send three Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first Protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as we speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype,
created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? I do. You want to send a Terminator to protect your younger self? Won't you be afraid? I will be. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believed that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it and protect the ones you care about. So, what will it be then? Donc c'est le moment du choix final. Donc je vais balancer ma petite interprétation de ce qui a été fait. Pourquoi l'étranger, donc nous du futur, a remonté le temps. Et moi en fait je pense qu'il a remonté le temps tout simplement car tous les proches qu'il a eus, Jennifer, Patrick, Ryan, tout ça, sont morts dans sa timeline. C'est pour ça qu'il nous prévient d'évacuer tout le monde pour les sauver. Mais dans ce sens-là, nous, on n'a plus besoin. On n'a pas besoin de remonter le temps pour nous prévenir nous-mêmes. Tiens, en fait, grosso merdo, John Connor nous dit que va nous dire, enfin, que n'importe quel soldat peut effectuer cette mission, qu'on n'est pas obligé de la faire. Si il a remonté le temps, enfin, le Jacob de cet univers alternatif a remonté le temps, c'était pour se prévenir lui-même qu'il pouvait sauver ses proches. Alors que si on envoie un soldat random, ça, il pourra pas vraiment prévenir Jacob parce que ce soldat-là sera pas conscient. Après, il y a le délire de savoir modifier le temps. J'ai envie de vous dire, j'aurais évacué tout le monde de toute façon. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire la bonne fin du jeu. Donc la bonne fin du jeu consiste à ne pas partir dans le temps. Alors, l'autre fin n'est pas une mauvaise, mais étant donné la fin de l'étranger, on peut considérer ça comme une mauvaise fin. Mais du coup, là, je vais vous faire la fin où on ne repart pas. Et je vous rajouterai à la fin, la fin qui consiste à remonter le temps. I don't wanna go. I cannot judge you. You've seen yourself die once, and that's probably once too many. There are volunteers that will gladly take your place. John Connor prepared the time displacement equipment to send protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. A resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mack reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995. To intercept the sole T-1000 prototype and protect a young John Connor. I've decided not to go back in time. Plenty of volunteers wanted to take my place. John Connor chose a man from amongst them. I only hope that he does a better job than I did. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. I lied to Erin about her husband to make her leave the shelter.
I saved your life. But at what cost? Was it my place to intervene and give her false hope? Ryan was kicked out of the shelter because of me. I hope that one day I will have a chance to explain to him why I did that. Jennifer and Patrick left before the attack. I'm glad I convinced her to leave. I hope that our paths will cross sometime soon. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. And as for me, it was time to start over. I'll do it. I'll go back. I knew you would. Let's hope I won't get killed this time around. Let us begin, then. John Connor prepared the time displacement equipment to send protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. A resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mack reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995. To intercept the sole T-1000 prototype and protect a young John Connor. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself. It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. I lied to Erin about her husband to make her leave the shelter. I saved her life, but at what cost? Was it my place to intervene and give her false hope? Ryan was kicked out of the shelter because of me. I hope that one day I will have a chance to explain to him why I did that. Jennifer and Patrick left before the attack. I'm glad I convinced her to leave. I hope that our paths will cross sometime soon. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. As for me, it was time to start over. Listen.
Listen to me if you want to live. Et voilà, c'est terminé, c'est enfin terminé, on va dire. C'est que ça a été lancé en novembre ou en mars, le temps que j'upload tout ça, ouais, on aura peut-être fini mars. Mais du coup, j'ai vraiment passé un super moment sur le jeu. Je le répété beaucoup de fois, mais je trouve vraiment que c'est un bon jeu. C'est pas un très bon jeu, c'est pas un jeu parfait. Il a beaucoup de défauts, celui de vouloir trop en faire, de partir dans tous les sens. Mais vraiment, c'est l'une des meilleures expériences dans un FPS que j'ai eu depuis longtemps. Certes, il y a peu, je vous avais fait Modern Warfare, le tout nouveau Call of Duty, mais c'est pas la même expérience. Avec Call of Duty, au bout d'un moment, on a vraiment l'habitude de ce que c'est, même si Zinov niveau scénario, un peu gameplay, là c'est vraiment un tout nouveau jeu avec ses mécanismes. Et franchement, moi, pour moi c'est un grand oui. Et je conseille à n'importe qui de le faire. Alors pas de le faire à prix fort, hein, ça pas à prix fort. Essayez de vous le trouver pas trop cher d'ailleurs, enfin maintenant qu'il est sorti depuis un moment, donc c'est possible de le trouver beaucoup moins cher, mais au moins faites-le de votre côté. Même si la rejouabilité est pas ouf au niveau des choix que vous allez faire, vous en foutez un peu, hein. Vous êtes là pour vous amuser. Mais du coup, ouais, c'était une très bonne expérience que j'ai eue. Alors le Belge est d'accord avec moi d'ailleurs. Hein. Le Belge, il l'a fini il y a un moment. Renard aussi, Renard l'avait commencé de son côté. Il l'avait pas encore fini, mais Renard aussi passé un bon moment dessus. Donc si trois membres de la team SAC vous disent que c'est du bon, c'est du bon. Mais du coup, ouais. Oh Studio Canal, regardez. Studio Canal, oh, c'est rigolo, titre principal Terminator. Bon bah du coup, qu'est-ce qui va arriver prochainement sur la chaîne? Alors... Ah, attendez. Le générique de fin est déjà terminé? Là, ça a pas planté. Oui, ça a planté à la fin du générique pour la bonne fin. Ça avait planté. Bon, du coup, on se retrouve sur le menu. Les crédits ont été vachement courts. Il faut que je vois le nombre de personnes qui ont bossé sur le jeu, parce que c'est pas super. Bon, du coup, oui, j'étais sur le point de vous dire ce qui allait arriver sur la chaîne, donc j'ai pas trop d'idées. Bon, aussi, à la fin de la semaine, il y a Nioh 2, donc on verra ce que je vais faire avec Nioh 2. En termes de jeu solo, je vais chercher. Trouver quoi faire. N'hésitez pas à aller voir les petits streams découpés. Il y a ce Gavins qui a repris des streams récemment. Il fait du Hollow Knight de 13h à 15h. Le stream de la digestion, comme il l'appelle. On a l'ami Shizuto qui stream des fois de nuit. Il y a des streams nocturnes de Shizuto. Et bien sûr, vous allez nous retrouver dans Magicka 2, hein, Magicka 2 qui est là, et plein d'autres trucs coop. C'est ouf, pour une fois, on a plein de listes de jeux de coop qu'on va pouvoir faire, donc c'est cool. Mais du coup, voilà, merci infiniment pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci pour ceux qui commentent. Donnez votre avis, c'est important, parce que comme ça, on peut améliorer, on peut voir ce qu'on peut améliorer sur la chaîne. Alors, même si vous nous le dites, des fois, je ne prendrai pas compte, parce que pas contre vous, c'est juste que je suis un gros con et que je suis incapable de garder une ligne directrice dans mes vidéos. Mais du coup, bref, on va pas faire durer ça plus longtemps, parce qu'en plus notre ami a les yeux rouges et il commence à être colère. Merci beaucoup et hasta la vista, baby.